Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique sur l'alpha-thalassémie. Je me présente, je suis le docteur Samy Zniber, spécialiste en biologie clinique. Avant de débuter cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des futurs cas cliniques qui seront postés. Tout d'abord, par rapport à l'énoncé, il s'agit de monsieur et madame X, originaires de Singapour, qui consultent leur médecin traitant pour leur fils de 6 ans. Celui-ci avait déjà été amené la veille chez le médecin pour une gastroentérite fébrile, pour laquelle le médecin avait prescrit un traitement par Bactrim. Ici, plusieurs mots-clés sont à noter. Tout d'abord, on apprend qu'il s'agit d'un enfant dont les parents viennent de Singapour. Il s'agit d'un pays d'Asie du Sud-Est. C'est un enfant relativement jeune, il n'a que 6 ans. Par rapport à son traitement, il est traité par un antibiotique. Pour rappel, le Bactrim comprend le sulfaméthoxazole, qui est de la famille des sulfamidés, et le triméthoprime de la famille des diaminopyrimidines. Depuis ce matin, l'enfant est d'une pâleur extrême et présente un essoufflement important et des palpitations. Il a aussi fait un court malaise peu avant la consultation. Le médecin demande aux parents d'emmener l'enfant aux urgences où un bilan biologique est effectué. Ici, les mots-clés, c'est surtout le tableau clinique. Il s'agit du tableau de l'anémie qui associe la pâleur, l'essoufflement et le malaise. On va donc regarder le bilan biologique. Tout d'abord, par rapport aux globules rouges, voici ce qu'on obtient. Par rapport à l'hémoglobine, elle est fortement diminuée. Il s'agit donc d'une anémie sévère, le taux de globules rouges est diminué, d'une érythropénie, le volume globulaire moyen est diminué, il s'agit d'une microcytose, le CCMH également, d'une hypochromie, et le taux de réticulocyte est normal. Il s'agit donc d'une anémie sévère hypochromicrocytaire régénérative. Donc ici, il faut déjà voir... ici, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que normalement, les anémies microcytaires sont souvent à régénérer. Régénérative. Ici, elle est régénérative. Il faudra donc creuser cela par la suite. Ensuite, par rapport aux globules blancs, ici le taux de leucocytes est normal. Il s'agit donc normal. Par rapport au taux de plaquettes, on a un taux de 250 Go par litre, ce qui est tout à fait normal. Donc comme dit plus tôt, en fait en cas d'anémie, il y a 3 situations qui peuvent se présenter. La première, il s'agira d'une anémie microcytaire, soit d'une anémie régénérative ou bien d'une anémie non microcytaire à régénérative. Dans notre cas, il y avait l'anémie qui était microcytaire ainsi que régénérative. Nous sommes donc en présence de l'association de ces deux situations. Il faudra donc creuser pour connaître l'étiologie. On va donc réaliser un bilan martial dans lequel on va quantifier la ferritine. Dans notre cas, il s'avère qu'elle est normale. On va également réaliser un bilan d'hémolyse. Tout d'abord, dans ce bilan d'hémolyse, on va regarder la bilirubine libre. Dans notre cas, il s'avère qu'elle est augmentée. Pour rappel, cette bilirubine est produite lors de la dégradation de l'hémoglobine. En cas d'hémolyse, une grande quantité de globules rouges est détruite, ce qui entraîne une augmentation de la production de bilirubine. Comme le foie peut être dépassé dans sa capacité à la traiter, une partie de celle-ci reste sous forme libre dans le sang. C'est pourquoi les taux de bilirubine libre augmentent en cas d'hémolyse. Par rapport à la lactate déshydrogénase, dans notre cas, elle est augmentée. Il s'agit d'une enzyme présente dans les globules rouges. En cas d'hémolyse, la LDH contenue dans les cellules sera alors libérée dans le sang. Enfin, par rapport à l'aptoglobine, il s'agit d'une protéine qui se lie à l'hémoglobine libérée dans le sang lorsqu'il y a destruction des globules rouges. Dans notre cas, elle est diminuée. En fait, la quantité d'aptoglobine diminue car elle est utilisée pour lier l'hémoglobine en excès. C'est pourquoi une diminution de l'aptoglobine est un indicateur utile lors d'hémolyse importante. Dans notre cas, nous avions tous les signes d'hémolyse. Il faudra donc réaliser des explorations complémentaires. On va donc réaliser un frottis sanguin. Alors au frottis, voilà ce que l'on obtient. Ici, on peut noter la présence d'une anisocytose, c'est-à-dire des globules rouges de taille variable, ainsi qu'une poékilocytose, dans laquelle on trouve des déformations variées des globules rouges. On peut noter par exemple l'apparition des dacryocytes, comme le globule rouge au centre, et également des hématies en forme de cible. Pour rappel, lorsque la quantité d'hémoglobine produite est insuffisante pour remplir complètement le globule rouge, ils deviennent alors plus petits et plus pâles que les globules rouges normaux. Ces globules rouges qui en résultent ont donc une surface plus grande par rapport à leur volume, ce qui leur donne la forme caractéristique de cible. Donc en résumé, tout ça, ça nous oriente, peut-être vous l'aviez vu, vers la thalassémie. Il s'agit donc d'une anémie hémolytique corpusculaire. On va donc réaliser l'électrophorèse de l'hémoglobine afin de confirmer notre diagnostic. Dans notre cas, donc, cette électrophorèse de l'hémoglobine devra être réalisée sur acétate de cellulose à pH alcalin. Pour rappel, celle-ci doit toujours être effectuée à distance des transfusions de 3 mois. Voici ce qu'on obtient. Tout d'abord, l'hémoglobine A, qui comporte, donc il s'agit d'un tétramère formé de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta. Donc ici, c'est 74%, ce qui est très diminué. Par rapport à l'hémoglobine A2, donc ici, c'est un taux de 1%, ce qui est diminué. Enfin, par rapport à l'hémoglobine H, il s'agit d'un tétramère formé de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes gamma, donc on a une valeur augmentée. Donc pour interpréter ces valeurs, il y a plusieurs outils diagnostiques. Donc on peut séparer tous les profils en 3 profils caractéristiques. Il y a tout d'abord le profil normal dans lequel on retrouve une hémoglobine A2 à hauteur de 2 à 3,5%, associée à une hémoglobine F inférieure à 1%. On peut également retrouver les anomalies quantitatives, dans lesquelles on peut retrouver soit des diminutions ou des augmentations de l'hémoglobine A2, ou bien une augmentation isolée du taux d'hémoglobine F. Enfin, on a les anomalies qualitatives, soit les cas simples dans lesquels on a l'hémoglobine A en présence d'un variant, ou les cas complexes dans lesquels on a une absence d'hémoglobine A en présence d'un variant. Dans l'autre cas, nous avions une diminution de l'hémoglobine A2, et donc d'une anomalie quantitative. Donc ici, il y a un exemple d'algorithme utilisé, donc qui date de 2006. On va le regarder attentivement. Dans notre cas, il y avait une diminution du taux d'hémoglobine A2. Donc on a réalisé la NFS, dans laquelle on a trouvé l'anémie microcytaire hypochrome. Le bilan martial était tout à fait normal. Nous sommes donc, et il y avait la présence d'hémoglobine H. Donc nous sommes donc en présence d'une hémoglobinose H, également appelée alpha-thalassémie majeure. Par rapport au reste de l'énoncé, une transfusion de concentré de globules rouges est réalisée, une normalisation du taux d'hémoglobine accompagnée d'une disparition des symptômes est alors observée. L'enfant revient en consultation 3 mois après. À l'examen clinique, le médecin constate la persistance d'une légère pâleur ainsi que de la splénomégalie. Un nouveau bilan biologique est réalisé, il montre une légère anémie hypochrome et microcytaire, un taux de plaquettes et une forme leucocytaire normale. On note toujours la présence d'une anisocytose, poikilocytose et des masticycles. Donc en fait ici, il faut les mots-clés, c'est que en fait, l'enfant il revient 3 mois après, donc c'est-à-dire qu'il y a un fond d'anémie chronique. De plus, il présente toujours les signes cliniques de l'hémolyse. Et il présente toujours son anémie qui est hypochrome-microcytaire. Donc par rapport aux questions, quelle pathologie suspectez-vous en priorité, argumentez, quelle est l'origine de cette maladie, quelles sont les différentes formes existantes, donnez pour chaque forme les principaux éléments cliniques correspondants, expliquez la physiopathologie de l'anémie dans cette pathologie, quelles sont les principales complications de cette pathologie. Suite à plusieurs événements semblables à celui décrit précédemment, l'enfant reçoit plusieurs transfusions de concentré de globules rouges, le médecin demande un bilan martial. Que craint le médecin? Comment pourra être prise en charge cette complication? Par rapport à la question 6, il s'agit de la dernière question, la pathologie abordée à la question précédente peut également être d'origine génétique, détaillez cette pathologie. Alors par rapport à la correction, tout d'abord, quelle pathologie suspectez-vous en priorité, argumentez. On va suspecter l'alpha-thalassémie. En effet, il y a plusieurs arguments qui nous orientent vers ce diagnostic. Tout d'abord, les arguments au niveau de la biologie. Il y avait la présence d'hémoglobine H dans l'électrophorèse de l'hémoglobine. Il y avait également la présence d'une anémie microcytaire hypochrome régénérative. Il y avait également la présence d'une hémolyse. De plus, l'anémie était présente 3 mois avant et survenue 3 mois après, donc il s'agit d'une anémie chronique. De plus, il y avait une aggravation de cette anémie, donc cela est dû par exemple à une poussée d'hémolyse aiguë. La cause probable, c'est peut-être l'infection qui a été maltraitée, je le rappelle, l'enfant présentait une gastroentérite, ou bien peut-être également la prise médicamenteuse, parce que l'enfant a pris le Bactrim, qui est un antibiotique. Pour rappel, il s'agit d'un médicament assez oxydant, donc peut-être que l'enfant a fait une crise hémolytique suite à la prise de cet antibiotique. Ensuite, par rapport à la clinique, le patient présentait une splénomégalie associée à la pâleur, l'essoufflement, les palpitations. Concernant le contexte, l'enfant est originaire de Singapour. Pour rappel, la thalassémie est très fréquente dans cette région. De plus, les patients sont probablement atteints d'une forme mineure ou silencieuse, c'est pourquoi ils n'ont pas rapporté la présence de signes cliniques au niveau de l'interrogatoire. Et de plus, le patient avait pris du Bactrim. Par rapport à la deuxième question, quelle est l'origine de cette maladie et quelles sont les différentes formes existantes? Donnez pour chaque forme les principaux éléments cliniques correspondants. Alors ici, un petit rappel, il s'agit de la représentation de l'hémoglobine A1, qui est composée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta. Alors ici, au niveau du génome, donc sur le chromosome, voici les gènes impliqués dans la synthèse des chaînes de l'hémoglobine. Tout d'abord, sur le chromosome 16, il y a les gènes alpha qui vont permettre de coder pour les chaînes alpha de la globine. Sur le chromosome 11, il y a les gènes bêta qui vont permettre la synthèse des chaînes bêta de l'hémoglobine. Alors par rapport à la thalassémie, un petit rappel, son origine, il s'agit d'une anomalie constitutionnelle quantitative de la synthèse de chaînes alpha de l'hémoglobine. Donc ici, il faut retenir que ce n'est pas les chaînes bêta, c'est les chaînes alpha. Il s'agit d'une maladie génétique dans laquelle on a soit des lésions ou mutations d'un ou de plusieurs gènes alpha. La transmission est autosomique récessive et par rapport à la sévérité, elle est proportionnelle au nombre de gènes alpha touchés. Donc il existe 4 formes. La toute première forme, il s'agit de l'alpha-thalassémie silencieuse dans laquelle un seul gène alpha est manquant. Au niveau de la clinique, donc il y a encore la synthèse d'hémoglobine A en quantité suffisante, c'est pourquoi cette forme est cliniquement asymptomatique. Ensuite, la deuxième forme, il s'agit de l'alpha-thalassémie mineure, dans laquelle deux gènes sont atteints. Cette maladie est également appelée trait thalassémique. Alors ici, lorsque les gènes atteints sont en position 6, il s'agira d'une alpha-thalassémie hétérozygote. S'ils sont en position trans, il s'agira d'une alpha-thalassémie homozygote. Au niveau de la physiopathologie, donc au niveau de l'hémoglobine retrouvée, on va tout d'abord retrouver les hémoglobines A, ainsi que des chaînes bêta libres. Alors au niveau de la clinique, on va donc cette forme est souvent asymptomatique, mais parfois on peut être en présence d'une légère anémie microcytaire hypochrome. Donc pour je le rappelle, il y a toujours la synthèse d'hémoglobine A de manière suffisante, c'est pour ça que la présence des signes cliniques n'est pas toujours évidente. Ensuite, en troisième type de pathologie, il s'agit de l'alpha-thalassémie majeure, dans laquelle on a 3 gènes qui sont atteints. La synthèse des chaînes bêta est toujours identique, alors c'est pour ça qu'on va être en présence toujours d'hémoglobine A. Elle sera synthétisée car il y a toujours la présence, même si elle est faible, de chaînes alpha. Il y aura également la présence de chaînes bêta libres de la globine. Et en fait, cet excès de chaîne bêta va s'associer en tétramère pour former l'hémoglobine H. C'est pour ça que cette pathologie, l'alpha-thalassémie majeure, est également appelée hémoglobinose H. Au niveau du frottis, ici on voit une coloration au bleu de Crésil. Alors l'image met en évidence des corps de Hentz dans les hématies correspondant à de l'hémoglobine précipitée. Donc ici en fait on voit les précipités d'hémoglobine H. Ces corps de Hentz donnent aux hématies un aspect en balle de golf, on les retrouve notamment dans d'autres contextes, comme par exemple le déficit en glucose-6-phosphadéshydrogénase ou en cas d'intoxication par produits méthhémoglobinisants. Donc au niveau de la clinique, on retrouve principalement des anémies hémolytiques chroniques qui sont régénératives, microcytaires et hypochromes, qui peuvent être accompagnées d'une splénomégalie et d'un ictère. Habituellement, c'est bien toléré, mais peut s'aggraver brutalement, comme ce qui était dans notre cas. Alors, en la quatrième forme, il s'agit de l'hydrops fetalis, dans laquelle, ici, on a 4 gènes qui sont atteints. Cela va aboutir à la mort in utero. En général, ça survient à partir du 5e mois de grossesse. C'est fréquent en Asie du Sud-Est, mais extrêmement rare en France. Par rapport à la troisième question, expliquer la physiopathologie de l'anémie dans cette pathologie. Donc en fait, ici, comme dit précédemment, on a une précipitation de l'hémoglobine H qui est instable dans les hématies. Ensuite, il y a alors une perte de la déformabilité des globules rouges, suivie de la destruction précoce dans la rate, d'où l'apparition de la splénomégalie. Enfin, donc c'est ce qui est à l'origine de la splénomégalie. Ensuite, par rapport à la question 4, quelles sont les principales complications de cette pathologie? Donc il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a les poussées d'hémolyse aiguë. Donc, pour rappel, le stress oxydatif se produit lorsque les niveaux de radicaux libres dépassent la capacité de l'organisme à les neutraliser à l'aide d'antioxydants. Ces radicaux peuvent endommager les membranes cellulaires et les protéines, entraînant une perturbation de la fonction cellulaire normale, ce qui peut provoquer des poussées d'hémolyse aiguë dans la thalassémie, en endommageant les globules rouges et en provoquant leur destruction rapide. De plus, les niveaux élevés de fer dans le sang et la production accrue de radicaux libres sont des facteurs qui contribuent au stress oxydatif dans la thalassémie. Par rapport aux lithiases biliaires, il y a une destruction des globules rouges anormaux qui peut entraîner une augmentation de la production de bilirubine. L'excès de cette bilirubine va favoriser la formation de calculs biliaires, en particulier de calculs de bilirubine. L'hypersplénisme, on vient d'en parler. Par rapport à la surcharge martiale, il y a une hyperabsorption intestinale du fer qui est due à une augmentation de l'expression du transporteur de fer appelé DMT1 au niveau des cellules de la muqueuse intestinale. Chez les personnes atteintes de thalassémie, l'expression de ce DMT1 est augmentée en réponse à l'anémie chronique. Cela va permettre l'absorption accrue de fer dans l'intestin, ce qui va contribuer à l'accumulation de fer au niveau du corps. Donc, suite à plusieurs événements semblables à celui décrit précédemment, l'enfant reçoit plusieurs transfusions de concentré de globules rouges, le médecin demande un bilan martial. Que craint le médecin? Comment pourra être prise en charge cette complication? Donc en fait, les transfusions répétées de concentré de globules rouges vont entraîner un risque de surcharge en fer, également appelée l'hémochromatose secondaire. On va donc, pour le traitement, utiliser des chélateurs de fer, soit par voie orale, tels que le déférasirox ou le déferiprone, mais qui peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux. En deuxième intention, on pourrait utiliser la déferoxamine par voie intraveineuse. Une remarque importante à faire, c'est qu'il y a également, nous avions parlé de l'alpha-thalassémie, mais il existe également la bêta-thalassémie, par exemple la maladie de Cooley. Ici, il y a un risque d'hémochromatose qui est plus important, car il y a une augmentation de cette hyperabsorption intestinale de fer et les besoins en transfusion sanguine sont plus importants. Par rapport à la dernière question, la pathologie abordée à la question précédente peut également être d'origine génétique. Détailler cette pathologie. Donc en fait, il s'agit de l'hémochromatose primitive, dans laquelle on a une mutation de la altération de la protéine HFE. Donc dans cette pathologie, en fait, on a une mutation d'un gène. La mutation la plus retrouvée, c'est la mutation du gène C282Y1A. Donc, cette protéine HFE, en fait, il s'agit d'une protéine qui régule l'absorption intestinale de fer. Donc ici, suite à cette mutation, la protéine sera non fonctionnelle. Il y aura alors une hyperabsorption du fer au niveau intestinal qui va provoquer l'hypersidérémie. Au niveau des signes cliniques, on va retrouver des arthralgies, car il y aura des accumulations de fer au niveau des articulations, ce qui va provoquer des inflammations ainsi que des dégradations des tissus articulaires. Également des atteintes hépatiques, car le foie ne peut plus réguler correctement l'absorption de fer, ce qui va entraîner l'accumulation progressive de fer dans les cellules hépatiques. Au fil du temps, cette accumulation va causer des lésions hépatiques telles que la cirrhose, ou d'autres pathologies. Par rapport à l'atteinte cutanée, donc ici on va retrouver une augmentation de la pigmentation de la peau. Elle est due généralement à une accumulation de fer dans les mélanocytes, c'est-à-dire les cellules de la peau qui produisent la mélanine. L'excès de fer peut affecter la voie de signalisation de la mélanine dans les mélanocytes, ce qui va entraîner une augmentation de la production de mélanine et donc une mélanodermie. Par rapport à l'hypogonadisme, donc en fait, il y aura une accumulation de fer dans les glandes endocrines, ce qui va entraîner une diminution de leur fonctionnement. Chez les hommes, l'hypogonadisme va entraîner une diminution de la production de testostérone, ce qui va provoquer une diminution de la libido. Chez la femme, l'hypogonadisme va entraîner une diminution de la production des oestrogènes, qui va provoquer des irrégularités menstruelles. Par rapport aux complications, donc on a les atteintes hépatiques, comme on vient d'en parler. Alors au niveau endocrinien, il y a également un risque de diabète, car il peut y avoir également des atteintes au niveau du pancréas. Et on peut également se retrouver en présence d'atteintes cardiaques. Donc ici, en fait, il y aura des dépôts de fer au niveau cardiaque, ce qui va entraîner des arythmies. Et il y a également parfois des dépôts au niveau de ces valves cardiaques, ce qui va entraîner des sténoses valvulaires, une maladie où les valves vont se rétrécir et ne pourront plus s'ouvrir normalement. Par rapport à mes références utilisées, j'ai utilisé les cas cliniques d'hématologie, ainsi que la théorie en hématologie des éditions Prépa-Pharma, évidemment le Micbook, la 4e édition, et le collège d'hématologie. Donc je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres cas cliniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Merci beaucoup.